just wanna give gratitude, yeah. Got plenty of love to give you, yeah. All good feels ain't we're trying to say, yeah, yeah, yeah. That's a good love in a big way. You wanna make a way, God. Bonjour Sabine, et oui, tout à fait. Déjà, la présence à la vie, à l'instant présent et à cet instant de musique, de plaisir de ce que ces musiciens, ces artistes produisent pour nous ou nous mettent à notre disposition. Bonjour tout le monde, bonjour chers spectateurs, ceux qui te couvrent pour la première fois ou ceux qui reviennent régulièrement. Je suis Ulrike Weissenbacher, je suis co-directrice avec Yves Vautier-Freyman de IEPRIN, un institut de formation pour professionnels de l'accompagnement, du coaching, de la thérapie. Nous sommes spécialisés en psychologie énergétique clinique et dans des approches relationnelles compassionnelles. Et c'est dans ce contexte-là aussi que la gratitude a une place et une importance particulière. Mais comme vous l'avez compris, elle a une importance dans le quotidien. Et c'est pour ça que je partage une deuxième fois avec vous sur ce thème qui me semble vraiment très important. Et comme nous avons vu hier, si vous voulez découvrir la capsule d'hier, l'enregistrement se trouve sur blog.ipra.com. Effectivement, ça touche vraiment quand on est connecté à la gratitude, à l'énergie, à la vibration de la gratitude. Donc hier, on a parlé des différents niveaux de gratitude et je trouve vraiment important de se rendre compte à quel niveau on se trouve et on se connecte à cette vibration. Mais il y a aussi des différentes dimensions de la gratitude. Et j'aimerais passer du temps aujourd'hui avec vous sur ces dimensions parce que ces deux notions vont aussi déterminer quel effet
que vous allez vraiment ressentir ou observer dans votre vie, dans votre ressenti quotidien, mais aussi dans vos actions et dans vos interactions, dans les relations avec les autres. La première dimension, disons, dimension de la gratitude, c'est ou la dimension à laquelle nous pouvons faire attention, c'est l'intensité. Vous avez sûrement déjà observé qu'on peut ressentir une gratitude plutôt fine, plutôt un peu timide presque, ou peut-être une vraie grande intensité de gratitude, surtout ceux qui ont vécu, par exemple, des accidents, peut-être même des états proches de la mort ou des maladies autour de nous, mais aussi peut-être un chagrin d'amour qui s'est réparé après. Et on peut être complètement envahi de cette gratitude vers l'univers, vers l'autre, vers Dieu, peu importe. Et c'est une grande intensité de cette gratitude. Et dans ces moments-là, ces moments restent gravés dans notre mémoire, dans nos souvenirs, comme un moment vraiment de grande joie et de grande importance. Mais nous pouvons aussi intensifier notre gratitude au fur et à mesure. Plus je vais remarquer les petites choses dans la vie et je vais être capable de ressentir de la gratitude envers les petites choses dans la vie, plus l'intensité va augmenter au fur et à mesure. Et j'aimerais vous raconter une petite histoire qui me semble vraiment représenter cela. Mes nièces et mon neveu et ma nièce, quand ils étaient petits, donc moi je vivais loin, donc on se voyait pas très très souvent, mais nos liens étaient très proches. Et je savais ce qui leur faisait plaisir, mais aussi leur mère, leur père m'aidaient à bien être toujours connectée à ce qui était en ce moment leur intérêt, leur plaisir, leur désir aussi. Mais par exemple, j'étais tout le temps un peu, mes sens étaient attentif à des petites choses que je trouvais qui me faisaient penser à ces enfants, et j'achèterais des petites rien en fait. Hein. C'est un jour, c'était tout au début, quand les mouchoirs avec des dessins imprimés apparaissaient, et j'avais découvert ces mouchoirs avec des coccinelles. Et l'autre, c'était avec des grenouilles. Et donc, j'ai acheté un paquet pour chaque enfant et je leur ai ramené la prochaine fois que je les ai vus, je leur ai offert sans occasion ces petits cadeaux. Et ces enfants étaient mais remplis de joie parce qu'ils étaient encore dans cette spontanéité de se réjouir de la moindre des choses. Et ce n'avait aucune importance, la valeur de ce cadeau, la difficulté de le trouver, de l'obtenir ou pas. C'était uniquement le plaisir de chaque petite chose qui les remplissait. Et je crois que nous avons tous eu ça quand on était enfant. On pouvait s'émerveiller, et donc on est dans une qualité très très proche de la gratitude, l'émerveillement. On pouvait s'émerveiller des fleurs, des champs, butterflies, je trouve pas mon mot maintenant. Et donc
c'est vraiment retrouver cette spontanéité, ce regard sur les petites choses. Là, par exemple, en ce moment, ce qui me remplit de joie, c'est ce petit rayon de lumière qui entre dans l'image. Chaque fois quand il illumine mes mains, par exemple, ça me met en joie. Il n'y a pas de logique là derrière, il n'y a pas, je cherche pas une explication, je ressens uniquement comment ça me stimule et ça me met en gratitude envers ce rayon de soleil ou ces fleurs devant ma fenêtre. Donc, dans ce sens-là, nous pouvons augmenter l'intensité du ressenti de notre gratitude. Si on est aussi, par exemple, dans les relations avec les autres, si on est attentif aux petits détails, aux petites choses qui nous réjouissent ou qui nous apparaissent chez l'autre personne. Et on peut aussi stimuler la gratitude chez l'autre en relevant des petites choses qu'on observe chez l'autre. Par exemple, j'ai échangé avec une amie. Elle m'a dit qu'elle a vécu à l'étranger, où elle a vécu la facilité que les gens avaient de relever chez l'autre des qualités. On lui disait qu'elle avait une douceur, qu'elle avait une spontanéité, etc. Et elle m'a dit, mais j'ai jamais connu ça, parce que dans ma culture, on ne fait pas ça spontanément. Et c'est vrai que peut-être, c'est une question de culture, mais peut-être aussi dans la vie d'adulte, on ne fait pas facilement, et je ne parle pas des compliments qui sont mesurés, qui sont peut-être, qui ont une intention derrière, je parle vraiment de la joie de repérer chez l'autre quelque chose qui nous apparaît à nous, spectateurs, évident. Mais peut-être à la personne, elle s'en rend même pas compte. Et donc, cette amie m'a dit, elle a pu se remplir, elle a pu remplir ses réservoirs avec ses renvois spontanés de qualité. Et c'est ce que nous faisons quand nous reconnaissons mutuellement des qualités ou des traits de personnalité qui ont une valeur. Après, très fortement lié avec la dimension de l'intensité, il y a la dimension de fréquence. Et j'ai déjà fait le pont vers cette dimension-là, parce que plus on va le vivre régulièrement, plus cette intensité augmente, mais aussi la fréquence, comme on a dit hier, va faire que dans notre cerveau, il y a des circuits qui vont s'installer. Plus un chemin est tracé dans nos circuits neuronaux, plus le cerveau va le retenir comme quelque chose d'important. Et donc, il va abandonner un autre circuit, une autre trace pour renforcer cette nouvelle trace. Et donc, pourquoi pas renforcer la trace de la gratitude, de l'émerveillement, de la joie et favoriser chez notre cerveau de pouvoir lâcher la mémoire d'un traumatisme, de traits de caractère ou de traits de notre façon d'être qui sont moins bénéfiques pour nous et pour ce qu'on a envie de vivre aujourd'hui, de ce qu'on choisit d'être ou de vivre aujourd'hui. Donc, plus je vais me connecter à cette gratitude, plus je vais renforcer ces effets mutuels et l'intensité. Après, il y a aussi une sorte de d'expansion. J'ai déjà parlé de ça hier, l'expansion de la gratitude, l'ampleur, l'étendue de la gratitude. C'est vraiment
D'abord, vous pouvez déjà observer où vous ressentez la gratitude. Souvent, c'est dans la zone du centre du cœur. Donc, quand on ressent très peu ou très rarement de la gratitude, on va avoir l'impression que c'est plus, un peu plus protégé, plus fermé. Et plus vous vous connectez à cette gratitude, plus cette zone va s'ouvrir, va s'élargir. Dans la tradition indienne, védique, on dit que le centre du cœur, donc qui est le quatrième chakra, si on veut, c'est le pont entre les centres du bas et les centres du haut. Et donc, ça correspond tout à fait à notre vision plus scientifique, où justement, nous avons les deux branches. Nous avons la branche de notre système nerveux autonome. Nous avons la branche sympathique qui est dans l'action, qui est dans l'affirmation de soi, trouver sa place, chercher à mettre des limites, etc. Et la branche parasympathique qui est le repos, l'entretien des relations, qui est aussi la réparation intérieure, etc. Et il y a un espace qui est l'espace central qui lie les deux, qui va permettre qu'on puisse sortir du figement ou du mode survie pour revenir à un endroit centré et, comme l'a dit Sabine au début, de présence, présence à la vie, à l'instant, où je suis centrée, mais toujours connectée à tout ce qui se passe. Donc, ce n'est pas quelque chose de dissocié, de détaché, où je dois m'éloigner des autres, m'éloigner, me couper de mes émotions et des autres pour être en paix intérieure, être connectée à la paix intérieure. Après cette expansion que nous pouvons ressentir, et vous l'avez probablement déjà vécu, c'est par exemple quand on vit des choses dans un groupe où tout le monde est en gratitude parce qu'on vit quelque chose de... Les concerts, par exemple, c'est une très bonne occasion de vivre ça. Quand on vit un concert, et c'est, moi j'ai eu ça dans des concerts classiques, par exemple, où toute ma peau réagit, où ça fait vibrer tout mon corps aussi. Et quand on vit ça avec les autres, avec toute une salle, tout un stadium, par exemple, alors il y a tout le monde dans ce champ de gratitude, de joie. Et alors, on sent vraiment cette expansion, cet élargissement à travers la gratitude. Et alors, il y a la densité. La densité donnée du corps, donnée de la substance à cette gratitude. Quand la gratitude, au début, est plus une pensée, un effort, elle manque justement de substance. Ça reste quelque chose d'un peu pas très palpable et ça reste quelque chose un peu, comment dire, trop fluctuant, ça nous échappe. Plus on développe l'intensité, la fréquence, l'expansion, plus la gratitude devient dense et devient quelque chose qu'on peut vraiment presque toucher chez nous ou chez l'autre. Et donc, ça c'est par exemple déjà de nous reconnaître d'avoir cette gratitude. En donnant une expression, par exemple, via un journal créatif ou via, dont on a parlé avec Catherine Mourenaud, ou via un journal écrit ou d'autres choses, plus je vais écrire ou peut-être exprimer ou peut-être même en parler à d'autres personnes, plus cette densité va commencer à se construire. Et c'est aussi en lien avec les circuits neuronaux, parce que plus la trace est profonde,
plus il y a des connexions à plein d'autres événements, plus ce réseau de connexions devient dense. Et donc, ça crée cette densité dans notre ressenti aussi. Vous pouvez alors avoir, comme nous pouvons avoir cette sensation de densité dans les connexions dans notre cerveau, par exemple, que justement nous ressentons de la gratitude de plus en plus dans tous les domaines ou toutes les dimensions de notre vie, ça va aussi être, nous pouvons aussi tisser un réseau de gratitude autour de nous. Par exemple, imaginez-vous, cette gratitude, vous commencez à l'exprimer régulièrement dans tous les contacts que vous avez autour de vous. C'est, je ne sais pas, le magasin où vous allez acheter vos fruits et légumes, c'est le cordonnier, c'est la personne qui nettoie les trottoirs, les rues, le facteur. Toutes les personnes avec qui vous êtes en contact, si vous commencez à exprimer la gratitude envers dans toutes ces relations, il y a un réseau, une interconnexion qui va se créer autour de cette gratitude. Et ça, c'est aussi une dimension de densité que vous allez créer et qui va se créer autour de vous. Plus vous allez reconnaître et exprimer la reconnaissance à d'autres personnes, plus ça va aussi revenir vers vous. Et donc, ce n'est pas calculé dans ce sens-là. Ce n'est pas j'exprime ma gratitude pour que j'aie de retour et après je suis fâchée si je n'ai pas de retour. C'est plus, ça devient quelque chose de spontané, ça devient votre expression. Et donc, ça devient quelque chose que vous ne pouvez même pas empêcher. C'est comme, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui sourit facilement, eh ben, c'est ce que les gens perçoivent et vous ne vous dites pas d'abord « je vais sourire parce que j'aurai un sourire de retour ». Et donc, pour revenir à cette question, qu'est-ce que c'est vraiment la gratitude ? Parce que souvent, il y a cette idée que la gratitude, c'est quand on a atteint cela, on sera en gratitude et dans le plaisir tout le temps. En fait, la gratitude, c'est plutôt d'accepter que dans notre vie, pour grandir, nous avons besoin toujours du plaisir et de la souffrance. Ça fait partie intrinsèque de notre vie. Et c'est plus le fait de pouvoir vivre, être en gratitude envers les deux événements, envers les deux qualités, que cet équilibre et cette harmonie intérieure va s'installer. Et la capacité de désirer ce qu'on a déjà, ce qu'on a abordé hier, la gratitude envers mon passé qui m'a amené là où je suis et la gratitude envers ce que j'ai déjà dans ma vie va justement créer cette harmonie intérieure ou ce socle de joie et de gratitude. Et donc, la gratitude, c'est quelque chose mutuel. Je la crée et elle me revient. Elle me revient de l'extérieur, mais aussi de moi-même vis-à-vis de moi-même. Hier, on avait dit, quand il y a un manque d'estime de soi, on a difficile avec la gratitude. On pourrait aussi dire, quand je nourris et je fais grandir la gratitude, alors mon estime de moi grandit et cette estime de moi grandit va me renvoyer la gratitude envers moi-même. Et il y a
un mouvement qui va augmenter, qui va monter et qui va créer, rien que par ce mouvement montant, de plus en plus de gratitude dans ma vie. Parce que je vais commencer à être, à me remercier aussi d'avoir entamé ce chemin d'introduire la gratitude dans ma vie. Donc, je crée l'estime de moi. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de mon passé pour le faire. Je peux le créer en ce moment, au moment où je décide d'introduire ou d'inviter la gratitude dans ma vie. Je peux déjà me remercier d'avoir fait ce choix-là. Et je peux, en ce moment, commencer un cheminement de gratitude et de grandir dans plus de joie. Je peux aussi faire le choix de d'ailleurs, ça, pour moi, c'est fascinant. Je suis autrichienne, je suis germanophone, et pour moi, la prononciation de la joie et de faire un choix, c'est pas évident. On me corrige souvent ou on me dit que on me pose la question pour savoir quel des deux je veux exprimer. Eh ben, les deux pour moi sont très très proches parce que le choix que j'ai et le choix que je pose, il me ramène ou il me rapproche de la joie. En tout cas, quand je choisis la gratitude, l'émerveillement, l'amour, le lien, la connexion avec les autres, je choisis la joie. Et donc, dans ce sens-là, je pense que la gratitude, si on peut pour parler aussi à l'autre hémisphère de notre cerveau, ça vaut l'investissement. C'est un investissement avec un très, très bon taux d'intérêt. Je vais vous mettre encore une musique pour terminer, pour clôturer aujourd'hui, parce que là, je crois qu'on a un peu à aborder les différentes dimensions de la gratitude, mais surtout, je vous souhaite vraiment de pouvoir trouver un rythme de cette gratitude qui peut se développer de plus en plus, mais aussi où je peux être en gratitude envers les choses qui ne marchent pas aussi. Parce que je peux déjà apprivoiser que si ça ne se réalise pas, c'est que quelque chose de meilleur m'attend. C'est ça aussi la gratitude envers la vie, envers l'univers, la gratitude que la vie veut toujours le mieux pour moi. Et donc, si elle m'impose quelque chose, elle m'amène à apprendre quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus important. Et je crois que c'est ça ce qui vaut la gratitude. This is not yours. This is that. Thank you.
Eh bien, merci pour votre présence, pour votre gratitude, pour votre partage et votre joie. Et je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous rappelle que les lives, les différentes lives sur des sujets qui peuvent être intéressants pour différentes personnes se trouvent sur blog.ipra.com et aussi sur le web TV de la commune d'Ixelles. Je trouve toujours, je fais ces lives pour des différentes problématiques que les personnes peuvent vivre dans le contexte du confinement, du déconfinement, des angoisses de cette COVID-19. Mais aussi, en général, dans la vie. Et donc, peut-être, ça vaut la peine de partager ces liens avec des personnes qui vivent difficilement des choses dans leur vie et qui sont peut-être pas encore prêts à aller chercher de l'aide, mais pour qui ces petites réflexions peuvent déjà leur donner des pistes à aller mieux dans leur vie. Donc, je vous remercie pour votre présence et votre attention. Et à demain ou à bientôt. Au revoir.